Enfin, la femme de Tchèque Tchouté, dénommée Mada, décida de parler dans cette affaire. Cette affaire qui est en train de faire couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines. L'accusant a passé par là d'avoir encaissé 2 milliards, d'avoir bien sûr pris les biens de Tchèque Tchouté, d'avoir en tout cas chassé la famille. Vous avez vu les vidéos sur la toile, je vais vous laisser suivre bien sûr l'intégralité de la déclaration de Mada. Elle a fait de très très grosses déclarations, suivez ça du début jusqu'à la fin. Tchèque l'extrait. L'argent de mon mari est, ça ne regarde que moi et ses enfants. Ça ne regarde que nous. Ça ne regarde que nous. Avec ma belle famille, ça va s'arranger. Ne mettez pas les organes. Parce que eux ou moi, là, c'est à la vie. Quel que soit ce qui va se passer, eux ou moi, c'est à la vie. On va se déchirer, on va se crier dessus, on va se battre. Mais eux et moi, c'est à la vie. Ils ont une partie chez moi. S'ils ont une partie chez moi. Vanessa, ses enfants sont là. Letty, ses enfants sont là. Kadi, ses enfants sont là. Omer, ses enfants sont là. Karim, ses enfants sont là. Mustapha, ses enfants sont là. Alidou, ses enfants sont là. Tous ses enfants, ils sont chez moi ici. Ils sont là. Et ce sont des... Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants, donc je les dois respect. Je les dois assez de respect. Et ce malentendu-là, ça va se régler entre nous. Je n'ai jamais détesté ma belle famille. Je ne les ai jamais souhaité du mal. Ça a été un malentendu que je ne vais pas venir renchérir là-dessus. Non, 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 non. Nos problèmes, on va les régler entre nous. On se bat souvent. Même pendant que Cheikh était là, on est comme des sœurs. On se fait des palabres. Cheikh, il vient, il intervient. On se réconcilie. Il me dit, toi, c'est pas possible. Ne viens même plus me parler de vos histoires, des palabres. Parce que quand vous faites des histoires, vous venez encore, après vous êtes ensemble. C'est ma famille. Je ferai jamais la guerre avec ma belle famille. Impossible. Faut même que vous comptez sur ça, maman. Je ferai jamais, jamais, jamais de guerre avec ma belle famille. Non, 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 non. Je ferai jamais de guerre. Et cette histoire de maison, là, vous n'allez jamais comprendre. Tout est parti sur un effet de colère. On va régler nos problèmes entre nous. Mais, de grâce, ceux qui ont des problèmes personnels à régler avec moi, venez les régler directement avec moi. N'envoyez pas aux gens de venir me dire non, non, non. Venez les régler directement avec moi. Le problème de ma belle famille, c'est le problème de ma belle famille. Parce que là, on est sorti carrément du cadre de la maison, on est sorti dedans. Je vois des documents sur la toile qui n'est pas normal. Et personne ici sur la toile là, personne ici même à Abidjan ou dans le monde entier là veut vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Personne ne veut. Personne ne veut le faire. Donc s'il vous plaît, dire que j'ai tué mon mari c'est beaucoup. C'est trop. Jojo et moi on a tué Cheikh. C'est trop. C'est trop. J'ai aimé le monsieur là jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre en fait. J'ai aimé ce monsieur là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mamans qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mères célibataires savent ce que être mère célibataire. Ainsi que les hommes, vous savez ce que c'est. Mais pourquoi lyncher une personne sans connaître les choses réellement? Pourquoi pour des vues vous mentez? Pourquoi?
Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Vous savez comment la personne dort? Vous-même, vous dormez comment? Vous dormez comment? Quand vous finissez, vous dormez comment? J'entends une femme, elle est mère, elle a un enfant. Sortie de ces choses, tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Hein. Ça ne fuit pas, ça reste sur Internet. Demain, mes enfants vont voir. Tu as aussi des enfants. Avant de faire un truc, il faut mesurer ça sur toi-même. Il faut mesurer ça sur toi-même et savoir comment ça va te faire mal, comment ça va te taper au fait, avant de faire à autrui. Si vous me blâmez par rapport au problème de ma belle famille, ça c'est un autre cas. Mais dire des choses, de vilaines choses au casino, ok, 2 milliards. 2 milliards. Vous ne pas dire même 7 milliards. Mais est-ce que vous connaissez 2 milliards? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. On entend les salaires footballeurs par-ci, par-là. Ils ont leur réalité. Ils ont leur réalité et nous, les femmes, là, on sait c'est quoi leur réalité. De grâce. De grâce. Ayez pitié. Moi, là, insultez-moi. Il n'y a pas de problème. Insultez-moi comme vous voulez. Mais laissez les enfants là, de côté, s'il vous plaît. Laissez le monsieur là, que j'ai tué d'après vous. Je l'ai tué. Vesram, je n'ai pas été une bonne femme. Si Cheikh pouvait se réveiller de sa tombe pour dire qui est madame, qui est la femme qu'il a épousée, wallah, il va se réveiller et il va venir dire voilà la femme que moi j'ai épousée. S'il pouvait se réveiller pour venir dire voilà la femme que moi j'ai épousée. Et s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, ils sauront qui est la femme que Cheikh a épousée. La femme que Cheikh a épousée n'est pas une mauvaise femme. Mes parents m'ont très bien élevée. Je ne suis pas une mauvaise femme. L'homme fait des erreurs. On fait tous des erreurs sur cette terre-là. Personne n'est parfait. Raison pour laquelle on prie. On se repent tous les jours. On fait tous des erreurs. J'entends que j'ai vendu une mosquée. Oui, une mosquée. Vous entendez, une mosquée que j'ai vendue. Quelque chose que mon mari a voulu. A voulu. Je pouvais regarder le terrain et puis dire, bon, c'est encore une maison basse. On n'a pas encore cassé. Je peux faire ce que je veux. J'ai tenu à ce que la mosquée ait lieu. J'ai fait le 70% des travaux. Arrivé à un certain moment là, j'ai dit bon, la sunna exige que les gens cotisent, les musulmans cotisent pour pouvoir terminer la mosquée ensemble. Voilà pourquoi je suis rentrée en contact avec Aïcha. J'ai dit Aïcha, même si je pouvais terminer, je ne vais pas la terminer, mais que les gens essaient de mettre, parce que tu sais, avec les enfants et tout ça, il faut vraiment aller mollo sur les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais de mon mieux pour mettre mes enfants à l'abri. Je fais de mon mieux. Vous parlez de... Elle allait demander travail de servante pour mes enfants là. Je peux même aller vendre banane sur la route qu'on me dise que je suis la femme de Cheikh Tioté. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je peux faire tout ce que je veux pour dire oui, je fais ça pour mes enfants. Je suis une mère. J'ai un cœur.
J'ai un cœur, j'ai fait accouchement douloureux comme toutes les femmes que vous connaissez. J'ai fait accouchement douloureux comme tout le monde. Donc vous n'avez aucun droit. Vous n'avez, je dis bien, vous n'avez aucun droit de me juger en tant que mère. Il n'y a que mes enfants qui peuvent me juger. Que mes enfants, mais aucun de vous ne peut me juger. Tout le monde a un cadavre dans son placard. Hein. Mais c'est pour celui qui sort là. C'est pour lui qui est dans le problème. Mais quand même de grâce. Même quand vous voulez salir une personne là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vraiment, allez-y doucement. Tu es mon mari. Mon mari que moi j'ai aimé. Cheikh Tioté que moi j'ai aimé de tout mon cœur. C'est-à-dire mon premier amour, Cheikh Tioté. Cheikh Tioté que moi j'ai tué. J'ai fait la complicité avec Jojo pour le tuer. Et en plus, le problème, c'est des femmes qui parlent. C'est pas les hommes, hein. C'est plus les femmes qui parlent. Elle a tué son mari. Vous mesurez un peu le degré de je sais pas, la folie des réseaux sociaux que vous avez là. Est-ce que vous mesurez un peu ce que vous faites aux gens? Est-ce que vous mesurez un peu la folie, un peu? Est-ce que vous mesurez un peu? Ceux qui étaient à côté de moi pendant mon veuvage, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous parlez d'argent. Vous parlez de 2 milliards. Je ne joue pas au ballon. Je ne joue pas au ballon. Je gère comme je peux. Celui qui n'a pas de dette là, il n'a qu'à s'asseoir, il va dire qu'il n'a pas de dette. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que je me suis confiée à des personnes où je ne devais pas me confier au fait. Malheureusement, je me suis confiée à des personnes où il ne fallait pas. Et ça, c'est mon plus gros regret, en fait. Parce que j'étais dans un état de... J'étais pas bien. Je me confiais à ces personnes-là. Donc, si vous voulez me lyncher, lynchez-moi. Moi. Moi-même, lynchez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais dire que j'ai tué mon mari, je sors avec son meilleur ami, je joue au poker. Envoyez-moi une photo où je suis en train de jouer dans un casino. Sérieux. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Et oui, vivement que cette affaire trouve bien sûr un issue favorable parce que madame, elle nie quelques faits et vous avez suivi la déclaration. Je suis très ravi de vous lire en commentaire. Donnez vos avis, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour d'autres informations. Ciao.